Breaker Face, interview exclusive. On a Breaker qui s'est breaké la face avant l'heure. Donc j'ai dû chercher une autre personne pour remplacer ce danseur. Et finalement, j'ai réussi à trouver. Et chacun va dire que la personne, elle a accepté le clash une semaine avant l'événement. Et bien, c'est un truc vraiment fort que je respecte beaucoup. Donc voilà, maintenant, je vais vous présenter ce danseur. On accueille B-Boy Farid. Bonjour. Bonsoir maintenant. B-Boy Farid. Voilà, ok. B-Boy Face. On avait pris B-Boy Farid. Farid, présente-toi. B-Boy Farid, 21 ans. Je danse avec Microbe B-Boy's Crew. Donc, qui est composé de Gum, à qui je dédicace ce morceau. Souli, Bouli, Kevin, Yacine. Qui s'est blessé? C'est lui. Qui s'est blessé. C'est Yacine que je remplace. Donc. Pour justement faire honneur à mon équipe, et voilà. C'est pour ça que je le remplace, pour batailler, entre guillemets, contre Saïd. Ok, j'ai déjà quand même à préciser que c'est vraiment fort. Hein. Franchement, une semaine avant l'événement, d'accepter un truc comme ça, c'est dur. Donc voilà, vous voyez la saison 2 Breaker Face, zéro glissement partout. En tout cas, il n'y a pas d'excuses, donc on est là pour donner le plus grand de nous-mêmes. Donc on va essayer de le smoker comme il faudra. D'accord. Parce que si je remplace Saïd, Saïd, c'est sûr que je vais te remplacer, mais si Yacine. Je remplace Yacine, c'est pour te smoker, Saïd. Voilà. Ah, ok. Ouais. Bon, Farid, parle-nous un peu de ton break, de ta spécialité. Moi, ma spécialité, c'est un peu tout. Donc, comme l'a très bien vu Saïd lorsque j'étais dans son crew. Là, dans son crew, je me. Ok. Tu mets. Continue. Là. Et voilà, donc je fais des passe-passe, un peu de phase, je fais. Je fais plusieurs moves. J'essaye de les marier les uns aux autres pour pouvoir faire des b-boy assez complet. Voilà. Mais à une semaine de préparation, il n'y a pas de souci, je relève le défi quand même. Parce que dire, on est à J-5 par ride, et comment tu prépares ce bâton, on va dire en 4 jours, que tu vas, on va dire, en banzai. Tu vas, je sais pas, comment tu vois le truc. Comment je vois le truc? Je vois le truc, je me prépare normalement, quoi. Vu que j'ai cette dynamique en moi, je danse, même quand je m'arrête de danser, je sais que je pourrais reprendre. Mais c'est sûr que là, ça va être délicat. Ça va être délicat dans le sens où, enfin, délicat pour lui, parce que, voilà, tu connais la suite, mec. Ok, d'accord. Et que penses-tu de ton adversaire, Bébé Saïd? Ma Bébé Saïd. Sachant que vous étiez du même groupe, je sais avant. Sachant qu'on était du même groupe, moi, Saïd, on s'est entraîné ensemble depuis qu'on est tout petit. Après, on s'est séparés parce que on était plus fort que lui. Je vais le dire, on s'est séparés, donc je pense que il est pas mal dans son genre. Il est pas mal dans son genre. Dans sa danse. Dans son genre, on va dire. Ouais. Dans son genre, parce que voilà, il a un style différent du mien. C'est pour ça que c'est très délicat, je dirais. Ben voilà. Ok. Ah ben, maintenant, vas-tu lui break la face? Yes, I will to break your face, man. Et en arabe, ça donne quoi? Allah redin smoke kas hame. Ok. Ok. Et as-tu quelque chose à dire à Saïd? Prépare-toi bien. Voilà. Prépare-toi bien. Et en arabe? Ujidras kas hame. Now in English, prepare yourself. Ok, as-tu une dédicace ou quelque chose à dire? Dédicace à ma famille, au Maroc, au Vietnam, faites des dons. À qui encore? À qui encore? À personne d'autre. Et quelque chose d'autre à dire? Yacine. Bon rétablissement à Yacine. Qui a une leucémie, voilà. Ok, d'accord. Ok, break your face. On était avec B-Boy Farid. Un gros rebondissement. Attendez. Et dédicace à ma chérie. Il est amoureux aussi. On se trouve le 2 avril pour un matin chaud bouillant. Ok, Saïd. Donc voilà, on y va. Break your face, J-5. Farid, dis-le. J-5, mec. Break your face. Break your face.